Bon, va juste falloir qu'on fasse la classique de Francfort avant le Giro. Ça va nous chauffer, tranquille. Et après, on sera bon. Hein. Après, ça part. Hein. C'est quoi le secret pour être un DS d'exception? Je pense que c'est juste inné, inné dans... Ouais, c'est juste inné, en fait. C'est juste inné, en fait. C'est le problème. C'est le problème, c'est que tout le monde ne peut pas l'être. Et c'est juste comme ça. Ouais. J'aurais tendance à dire ça. Bien sûr. Yo Arthur, salut Nat. Ricard, c'est ça le secret. C'est possible. Au Francfort, il y a qui là? Il y a Pedersen, Stewart, Guirmé. Il y a du monde. Hein. On va avec cette équipe, je sais pas ce qu'on va foutre là, mais on y est. Donc voilà. Ça fait une course sur le tour, hein. Ça fait des points UCI, c'est important. C'est important, c'est important. Imaginez, on monte toujours pas en World Tour. Il faut être la meilleure équipe en Conti Pro. Au classement UCI, comme ça on est invité partout. Eh oui, t'as plus de Suisse. Si. Si, si. Styros DS d'exception MDR. Un problème, Adrien? Je trouve que t'as pris un peu la confiance depuis vendredi, Adrien. Ouais. Lol du 57. T'as bien tous un pote à moi. Ah ouais? Demande-lui de signer gratos, du coup, mec. Demande-lui une petite baisse de salaire. Eh oui. Bonjour et C'était bienvenue. samedi, la victoire de Le l'Euro. relief de la course est plat. Ah oui, c'était samedi, Le peloton pardon. risque de rouler vite. Les conditions Effectivement. climatiques sont excellentes. Enfin bref, on s'en fout. C'était ce week-end, quoi. Clément Davy placé. Bah écoute, Clément, tu vas sortir. Hein. Allez, mon gars, ça monte le maillot à la télé. Bon, on a qui là de Rapido Sprint au cas où là? Ah. Ça Ouais. s'agite à l'avant du peloton. Après, c'est dur, hein. Après, c'est dur. Il peut y avoir Baroncini. Il peut y avoir Beletta. Ouais. C'est un peu. Covid, il est là pour se faire les jambes. Attaque à l'avant du peloton. Ouais. J'ai pas aligné l'équipe du siècle. Il est vrai. Salut, Pyric. Rouger va nous faire une Barta spoil. Arrête de spoil, mec. C'est chiant après pour le chat. Tu spoil ce qui va se passer. Yoni Rox. Et regardez devant, quelques Combien abandon. coureurs tentent de s'extirper du peloton. Après toi tu veux vraiment notre malheur mais terrible quoi. Parce que vraiment c'est fin de live hein, si tombe il abandonne là. Hein. On se le dit. Hein. Toi, tu veux vraiment que le live soit détruit, quoi. Sérieux, j'ai le pire modo de l'histoire. Je suis dégoûté. Je cherche un modo, les mecs. Classique de Francfort, là. Plus d'une minute d'écart. L'échappée gagne du terrain. Juste avant le Giro. Ouais, Davy, ça sort, hein. Parfait, hein. Il a pris confiance grâce à l'euro. Non mais non, non, on va le faire redescendre sur terre. On va grave le faire redescendre sur terre, le petit Adrien là. Ça dégoûte un peu. Je peux être modo. Vas-y. Vas-y, vas-y. Tu commences demain, mec. Gibbon, champion d'Afrique du Sud, ouais. Bon, après, il y avait personne. Hein. Je crois qu'il gagne tout seul avec 2-30 d'avance, non? C'est Lucas. En plus, on a rien à foutre, ça roule pas. Je peux pas te défendre, Adrien. Là, tu veux nuire au sprint. Ah ouais, ça dégoûte. Pim, 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 pim.
Est-ce qu'on durcirait pas quand même? Même si on a des Davy devant, hein, mais bon. Le problème, c'est que là, les sprinters, ils vont tous passer, là. Non? Comment cette classique est World Tour? Oh, c'est pas... Après, c'est une petite World Tour, hein. C'est comme la Cadel Evans et tout, hein. C'est les World Tour .2, je crois. Ça donne pas le même nombre de points que les autres World Tour et tout. C'est un peu plus petit, quoi. En vrai, c'est pas mal, hein. Ça fait une World Tour pour les sprinters aussi, les pauvres. Les mecs, ils ont rien à se mettre sous la dent. Life, quel enfer. Ah, mais ça, en multi, ça part en couille parce que t'as les 16 mecs du lobby qui roulent à 92 dans chaque boss. Du coup, ça finit à 2. C'est chiant quand même de rouler derrière quand il y a David devant. Ouais. À sprinter pour Baron Chini. Je suis pas trop. Le peloton réduit l'écart. On va essayer de faire mal. Il y a l'échappée, certes, mais c'est pas grave. On va faire mal au sprinter aussi. Sinon, on n'en peut plus. Hein. Voilà, Kovi, il a tout compris, le chef. J'ai un éclaireur en plein saison. Et je peux pas le mettre à éclairer dans un territoire normal. Ouais, il faut le faire au début de saison, les trucs d'éclaireur. Je crois c'est quoi? C'est pas genre vers début février, là, à la limite? Voilà, ça casse, cassure dans le peloton! Orange Colt pour Bolton, lâché! L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Petit sou. Ouais, il y a Goujard aussi, on va foutre au tempo là. Parce que ça donne. Dernière boss, c'est là que ça doit péter. Ça pète. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Attaque de Baroncini. Ouais. De Michael Woods. On les aura excités un peu là. Putain, pourquoi il a pas ramené l'eau à tout le monde lui? Il est sérieux ce mec? Ça ou quoi, Nono? Ouais, c'est un peu pété, quoi, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus l'explosion du siècle, hein. En vrai. 40. Je sais pas si les sprinters sont passés. Oh bon, il y a tout le monde, il y a Jake Stewart, il y a Pedersen, il y a Bennett, il y a Guermé, tout le monde est passé. Terrible.
attaquant solitaire en tête du peloton. On essaye, hein, mais j'avoue que c'est un peu. Ouais. Ouais. Le groupe d'échappée vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé right. aucune chance. Il y a Goujard, il y a Ergods. Pas compris. Mais tu veux qu'on fasse quoi, Sauron? On n'a pas de sprinter. Je fais quoi? Je reste dans le peloton? J'amène tout le monde? Je suis un train? Je tente d'attaquer, je tente des trucs. Lancer YouTube. Oui. N'oublie jamais de lancer YouTube, les mecs. Ouais, voilà. Si, de toute façon, c'est pas avec, avec l'énorme puncher Baroncini qu'on va faire quelque chose, quoi. Encore 10 km à parcourir. Le sprint massif paraît désormais inévitable. Oh, j'ai pas de sprinter, on a tenté. Ah, là ça roule trop pour tenter, là Tyson il empêche toutes les attaques, le chef. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Ouais, Allez, Goujard, Belletta, Baroncini, hein. Baroncini versus Bennett, hein. Va voir, hein. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Chute du leader. Les plans de l'équipe vont être chamboulés. Bon, à fond de top 10. Victoire de Guirmé devant Hodge, Dainese et Teuns, Pedersen. On fait combien? 8ème. Petit fond de top 10, on comprend rien, il y a des retardataires là en plus. Belletta 14. Goujard, Kovilli 18-19. Bon, Kovilli a passé la ligne, pas d'abandon, pas de chute. J'avais peur. Ça va être Bennett. C'est vrai qu'on a battu un maillot vert du tour. Hein. Baroncini favori au prochain maillot vert du tour. Ouais. Pipo supérieur à Bennett. Non, c'est vrai. Le Bruto Mezzo avec 81 sprints qui fait que 7 là. Et certains voulaient le recruter. Regardez cette fraude. Pff. Oh là là. On est bien avec Baroncini 68 sprints, les mecs. Pas besoin de sprinter. Pas besoin. Allez, c'est bien, les gars. On se met en jambes avant le Giro. C'est ce qu'il faut. Papa la pape. Ah, elle fait pas, Martin. Ou alors, attends. De toute façon, c'est bien foutu, non? 2, 3, 4. Normalement, on a bien tout foutu. Bon, le Giro est là, messieurs. Premier Giro pour nous. Deuxième grand tour de l'histoire de l'équipe. L'an dernier, on avait fait le tour. Je sais pas si vous vous souvenez, tour incroyable. On avait porté le maillot jaune pendant quasiment 10 jours. Porté le maillot à poids pendant 18 jours. 3-4 victoires d'étape, je sais même plus. En échappé, en baroudeur. Non, c'était solide. Hein. C'était solide. On arrive sur ce Giro avec comme équipe Luca Covilli, leader. Objectif général. Première fois qu'on va jouer le général sur un grand tour. C'est pour Luca. À la maison, italien. Il va arriver en pic de forme pour l'étape 7. Donc c'est parfait. C'est parfaitement géré. De l'étape 7 jusqu'à la 21, boum, pic de forme.
Baroncini qui sera là aussi à la maison. Alexandre Balmer qui sera là, bon, pour aider, échapper, on verra. Surtout pour aider parce qu'on n'a pas énormément de grimpeurs à côté de nous. Ergod qui est présent en l'absence bien sûr de la blessure de Chevalier, hein, normalement ça devait être lui. Russo qui est là, il était blessé, c'est pour ça qu'il est un peu bas en forme, bon ça fera le taf en équipier. Il y a Clément Davy, il y a Dario, le jeune Dario, 21 ans, et il y a Matteo. Eh oui. Donc on part avec ça. Au niveau de la... Bon, déjà, petit médecin. Boum. Michel, vient ici. Au niveau de la start list sur ce Giro. C'est très simple. On est sur plutôt une grosse start list de mémoire. Même énorme start list. Ben O'Connor, Cosnefroy. Philippe Sengroves, Oldani. Bennett, Kamna. Sheffield, Paulès, Dainese, Boos. Uytebroeks. Bicheguer, Grégoire, Fetter, Lawless, Albanese, Gino, David Godu, Tao, Damiano Caruso, Egan Bernal, Arensman, Sivakov, Guérent, Guirmé, Tyson, Arnaud Dely, Mick Van Dijk, Fabio Jakobsen, Henrik Maas, et là, Tim Merlier, Jonathan Milan, Cavagna, Alaph est présent, Mozzato, Lebert, Caleb Ewan, Michael Matthews, Dunbar, Sobrero, Groenewegen, Dan Hull, Pogacar, avec Ayuso, Magnulti, Adam Yates, Rubio. Fait Lawless avec une étoile. Bah, les étoiles, c'est les mecs qui ont 5 de moyenne sur 6. Donc, c'est que le chef a bien up, quoi. Il est où, Lawless? Je trouve plus. Mais il est où, Lawless? Oh! Il a 5. Hein. Ah, 79 sprints, du coup, c'est sa note principale, donc ça lui donne une grosse moyenne. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. On a Matteo qui va arriver en pic de forme. Et Baroncini également. Donc, prédit top 5. Mais jamais de la vie, je fais une prédit qui dure 6 heures, les mecs. Je fais jamais de prédit au début de grand tour en mode on fait ça à la fin. Non, bah écoutez, on va voir. Hein. En vrai, il y a une grosse start list. Donc, l'objectif, je pense, principal, c'est de rentrer dans le top 10. Arriver à faire un premier top 10 sur un grand tour. Ça, c'est pour l'objectif de base. Après, bien sûr qu'on vise plus haut sur papier. Mais bon, avec la star... Ouais, en vrai, il y a beaucoup de monde. Hein. Tu regardes les mecs très très forts au gène. Il y a Ben O'Connor. Il y a Uytebroeks qui est pas mal. Bon, il manque de physique et de chrono, mais bon, on sait jamais s'il est en grosse forme. Il y a David et Departao, fort. Ici, il y a plusieurs cartes, hein, même s'ils sont un poil bas, ça reste plus fort que nous. Les 4 Dinos. Il y a Klog, 78 montagnes de grosse endue. Il y a qui d'autre? Bon, il y a Henrik Maas, gros favori. Ensuite, il y a tous les mecs de... Il y a combien, Dunbar? Dunbar, solide aussi. Hein. Puis, il y a Poga avec Ayuso, Magnulti, Adamiette. Rien que les 4 là, ils nous tabassent. Donc, Rubio, très fort aussi. Il y a beaucoup de mecs. Hein. Du coup, ça fait combien? Ça fait 1. Allez, pour tabler large, 1, 2, 3, 4... 5, les stats sont folles pour ce mec. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pour tabler large 14, mecs qui peuvent être forts, et pour tabler moins large, allez, 7, 8 mecs vraiment très forts, c'est beaucoup. Donc franchement, si on est genre 8-9ème du gène à la fin du Giro, c'est... Ça va, hein. ça va, même si, j'avoue, au fond de moi, ce serait bien de faire un top 5 ou quoi, d'être le plus haut possible, mais on verra bien, on est une petite équipe encore, c'est léger hein, comme leader. Surtout, le problème, c'est les équipiers, quoi. On a vraiment Matteo qui a 70 montagnes, mais pas de physique, il est hyper jeune. Balmer, c'est les seuls équipiers montagnes qu'on a. On est hyper léger pour aider Kobe. Donc on verra, et puis niveau sprint on a Russo,
Et puis niveau échappée, voilà quoi. Je pense pas qu'on va viser de maillot de la montagne. On verra. Peut-être que on sera bien placé avec Balmer, mais je pense qu'il vaut mieux rester avec avec Quevilly, hein. Et puis des victoires d'étape, hein. Donc on est sur le parcours qui part de, c'est le parcours de Bernal, je crois, avec le départ d'Amsterdam, un chrono par équipe, les chemins blancs et beaucoup, beaucoup, beaucoup de montagnes à la fin. Ah, bien dur, bien difficile. C'est pas le Giro de Bernal 2010. Bon, je sais pas, dans le chat ça disait le Giro de Bernal la dernière fois. Ça plutôt. Enfin, parce qu'on a envie de jouer une fois le général. On jouera déjà les échappées sur le tour, donc on veut se tester au gène pour une première fois. Allez, ça part. Ah oui, c'est vrai, en plus Bernal, il n'y avait pas de chrono hyper dur comme ça. Waouh! Yo Maurice. Deuxième moitié. Ah, il y a chemin blanc aussi, hein. Chemin blanc, ça peut être dur, hein. Ah mais du coup c'est les chemins blancs où t'as Basso, c'est qui? C'est Evans aussi non? Qui est fort? En 2010. Je fais pas trop en 2010. Mais il me semble que c'est qui? C'était Evans qui était fort non? Sur les chemins blancs. De quoi Joshua? Maillot spécial anti. Oh là 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 là. Clément est le premier à partir. Allez, ça part. Ça part, ça part. Putain, notre premier Giro, notre deuxième grand tour, les gars. Eh oui. Eh oui, eh oui. On va voir ce que ça va donner. Oh, sauf 74 prologue, c'est pas mal, hein. Il est motivé, il commence bien, là. Belle forme. C'est bien, Clément. Eh, Clément, premier pointage, deuxième temps. Un stream. Comme d'hab, oui. Pourquoi à chaque fois ce genre de questions, c'est les mecs habitués qui sont tout le temps dans le chat que je vois? Je crois qu'on n'a jamais fait un grand tour en deux streams. Hein. En vrai. En tout cas, j'ai pas souvenir. Hein. Quand on commence un grand tour, on le fait. Hein. Ce maillot sur le TDF. On est en négociation, on est en négociation. Parce que c'est vrai que ça fait vachement jaune, mais bon, il y a le bas qui est bleu. Donc, non, actuellement, on négocie, ouais. Ouais. On verra si, si Monsieur Prodhomme acceptera, mais. C'est en train de négocier, c'est en train de négocier. Après, contre un petit cachet. Il y a moyen de bien parler. Ah ouais, attends. Y a moyen de bien parler contre un petit cachet, cri-cri, hein? Ça se fait, ça se fait, ça se fait. Merch nouveau. Ah bah si c'est refusé, c'est le maillot de base, donc ça sera ça ou rien d'autre. De toute façon, une équipe n'a le droit qu'à deux maillots différents dans une saison. Tu peux pas faire un maillot différent par grand tour, je crois. Je crois même que pour Jumbo, leur maillot là qu'ils ont fait spécial, ils ont dû avoir une dérogation pour le dernier jour de la Volta, si je dis pas de conneries. Et il me semble que t'as le droit de changer qu'une fois. Trois maillots différents? Ah ouais? Ça me paraît beaucoup, hein. Il change pour le Giro et le Tour. Ouais, mais les années où ils avaient changé sur le Giro avec les canards là, est-ce qu'ils avaient vraiment changé sur le Tour?
C'est triste. Eh oui, mais ça, c'est le vélo de chrono, mec. On a notre vélo qui va avec notre maillot. Juste les vélos de chrono, c'est des vélos de base. Ah, on n'a pas fait des vélos sur mesure pour les chronos. On est une catastrophe sur chrono. Par contre, j'avoue que sur le chrono par équipe, ça a piqué, hein. Oh, Clément. Clément, toi, sur le chrono par équipe, tu vas être important, chef, hein. Les gars, je sens, je sais pas pourquoi, on est à l'aube d'un Giro de fou, on va gagner le Giro. On va fumer Poga et l'Armada UAE. Je sais pas pourquoi, j'ai une vision là. Là, je le sens. Ouais. Je le sens, Kovi, il va mettre 4 minutes à Poga. C'est comme ça, des fois, on a des... On sent des trucs... Tu es fort. Bah franchement, si dans 10 étapes on est déjà largué, c'est problématique, sachant qu'il n'y aura eu qu'une étape de montagne. Vision floue, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Sa blessure, c'est en pro cycliste la blessure, les mecs. Il est pas blessé, t'inquiète, il est en bonne forme. Hein. Putain, la tour, gros chrono. Merde, j'ai ruiné Belletta. Up de Kovi. En vrai, petit plus 3 de Kovi comme ça, dans une nuit. Hein, Luca. Pff. Oh, misère. Plus 3, Baroncini. Pippo est en forme. Pippo est on fire. Allez, allez, mon Pippo. Pippo, on compte sur toi. Hein. Grosse cuisse, boum boum, on est prêt. Regardez ce beau bidon là qui va avec le beau dos du maillot. Oh là 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 là. Pipo, pipo, pipo. Eh mon garçon. Eh, premier pointage, pipo. Ça donne quoi? Pipo, premier pointage. Troisième temps à 5 secondes. Il est dans la bataille. Pipo on fire. Pour remporter cette étape chronométrée. À domicile en plus, eh ouais. Ah, on a perso et off. Allez, Baroncini sur la ligne. Troisième temps à 5 secondes seulement de Bokemolema. Énorme temps de Baroncini. Il bat Sobrero, il bat Tao, il bat Magnulti. C'est beau, c'est beau. Bien joué Pipo. Ah, Pipo, Pipo il est motivé. Hein. Pipo, première fois qu'il fait un grand tour à la maison, je peux vous dire que... J'aurais fait... Ouais, mais il y a de la triche, là, on va être remis devant, je pense. Et Balmer, Balmer, belle forme. Cavani a meilleur temps. 4 secondes d'avance sur Bokemolema. Rémi en forme aussi. Je vais t'enculer, David. Et sans vaseline. Je te le dis. Hein. Même pas de bonjour. Putain. Allez, Alex. Alex sur la ligne. 1-0-8, pas étonnant. Hein. Pas étonnant. Maintenant, il y a Luca derrière. Va falloir être en forme, Luca. Montre-nous que t'es motivé pour ce Giro. Alaf, Armbourou, Anchi, Bruno, Mauro Schmid. Oh, les stats du type. C'est un petit zéro, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouah, 63 prologues, j'avais pas vu. L'assassinat. Comment ça? Mais comment c'est possible en vrai d'avoir 70 chronos et 63 prologues? Tu m'expliques?
Dan Hull derrière. J'ai jamais vu qu'il avait 63 prologues. C'est un diesel en chrono. Le mec aime bien les chronos, mais que de 70 bornes, genre. Cent vingtième. Ouais. Pipo toujours top 5. Après, j'ai pas dit avec qui on visait le général. Hein. Parce que là, le meilleur italien, je le vois, il est pas devant notre écran, il est sur le classement à droite. Et Luca, t'en termines une 19. 123ème. Bon. Une 19 sur 8 bandes, ça fait beaucoup un peu. Dan Hull, 7ème. Pipo devant. Bichéguer. Ah. Je crois qu'on a le premier maillot rose. Je te jure, en fait, mais c'est trop bizarre parce que là, on prend une 15, une 19, une 20. Mais je vous jure que sur un chrono de 25 bornes, on prend une 20 aussi. C'est aberrant. C'est ça que je trouve ça trop bizarre d'avoir une telle différence entre le chrono et le prologue, genre. 0-5, Utebrook, putain, on est derrière Utebrook, c'est vraiment cataclysmique. Hein. Fini. Oh là là. Même David fait mieux que nous sur un chrono plat, quoi. Bon, il prend 5 minutes aussi sur 8 bornes, mais... Henrik Mas... 55. Ah, ça, ils sont pas si loin. Bon, lui, par contre. Eh, hey, Pipo va faire 7ème, hein. Au pire, hein. Il va faire 7ème, Pipo Baroncini. Gros début de Giro pour lui, hein. Eh, hey, Tadej. 11 secondes. Ok, on a 1,09 de retard sur Tadej Pogacar après 8 km de course. Bon, Bichéguer, premier maillot rose. Chic l'amène pour Rémi. Maillot blanc pour Pipo. Oh là 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 là. Mais regardez, là, il est pas beau, là. Là, il est pas exceptionnel. Oh là 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 là. Non, mais attends. Mais là, il est trop beau, là. Photo, photo. Déjà un maillot. Le Giro est réussi. Le Giro est réussi. On est monté sur un podium. Putain. Il va avoir un petit lapierre tout blanc demain. Je suis ému. Ah, oh, je suis ému. Oh là là. Oh, Pipo. Je t'aime. Je t'aime, Pipo. Palam, pam, 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 pam. Je vous ai dit qu'on va gagner Giro. Regardez, on est déjà en blanc. Faut me croire, les mecs. Allez, première étape en ligne. Amsterdam, Utrecht. On espère que Pipo n'a pas trop fêté dans les rues d'Amsterdam. Bien évidemment. Sinon, sinon... Bon, par contre, sprinter Clément Russo. Vous pensez notre meilleure place sur un sprint sur ce Giro, ça va être combien? Et pourquoi la 13ème place? Parce que sprinter Clément Russo, poisson pilote, moins de 70 sprints. T'es mal les sprinters qu'il y a. Philipsen, Merlier, Jakobsen, il y a tout le monde. Clément, plus un. Forme le Clément. Oh là là là. Putain, toujours le bug des casques, hein. Ils nous font chier PCM. Hein. Oh là là.
Non mais les détails, regardez, même, il a même mis les petits trucs là. Parce que ça c'est pipeau, mais parce que si on va voir, ça c'est notre vélo de base, ça. Oh là là. Trop beau t'y es pipeau. Non, trop beau, trop beau, trop beau. Trop beau. Bon, par contre, c'est se foutre de notre gueule le profil là. Même pas un petit sprint inter histoire de se régaler quoi. Vraiment, c'est bienvenue aux Pays-Bas. Très bien. Très bien, très bien. Beletta 70 sprint, 73 accel. Eh, moi je fais confiance au natif du pays. Hein. Désolé. Hein. Russo, moins de physique, certes plus rapide, mais Russo va jouer les poissons pilotes pour Beletta. Je vous l'ai dit. La jeunesse au pouvoir, Beletta, 21 ans, il va gagner sur le Giro. Il va fumer Jakobsen. C'est bon ou pas? Non, je le sens, je le sens, je le sens. Allez, Dario. Luca est là, Luca est là, Clément. On va faire ça. Palmer, toi, ton but, c'est de rester avec Kovi. Manaï. Faire un spot de pub de 6h. Ah ouais, même nous on fait pas le spot de pub là, faut pas se foutre de notre gueule. Hein. Oh, Ryu, Nathalie, force à vous, hein. On est pas ensemble là. Non, non, nous on est invités, mais désolé l'orga là, là, faut pas se foutre. Non, faut arrêter, faut arrêter. Là on est pris pour des clowns. Clairement. Là y a même pas un 4ème GPM. Le premier grimpeur du Giro, c'est étape 5. Il y aura pas de maillot bleu avant l'étape 5. Enfin du coup étape 6. Non mais c'est aberrant. C'est n'importe quoi. On se fout de notre poire. Non non je vous le dis hein. Non mais qui est assez fou pour faire des échappées avant l'étape 6 là du coup hein. Je vous le demande. Tu as raté le prologue. Pipo est en blanc, sixième du général. Eh ouais. Eh ouais. Pipo, retenez bien son nom. J'ai vu, hein, j'ai vu des ultras dans la commune dire Pipo. Ah, Pipo, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Pipo, il ne sert un peu à rien. Et Pipo répondu, quoi. Pipo a fait taire ses détracteurs dès l'étape 1. Et ça. Ça, c'est magnifique. Bah, le Chiclamen, comment t'expliquer que notre sprinter, là, il a 68 sprints. Donc, non, le Chiclamen, rien à foutre. Le maillot bleu, on a au-dessus de 70 montagnes, en dehors de Covigny, on a que Balmer. Donc, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu pareil, c'est rien à foutre. Hein. Là, on est vraiment. C'est comme sur le dernier tour. Hein, on porte un maillot, on est déjà content. On gagne une étape, c'est la teuf. On rentre dans le top 10 à la fin des 3 semaines. Pff, 2 semaines de vacances pour tout le monde. Voilà. Parcours 2010, ouais. Ah, c'est vraiment le stylé le départ des Pays-Bas là. Ouais. Non, là, on est vraiment bien. Hein. C'est vraiment intéressant comme parcours. Des beaux paysages. Vraiment très beau. Très très belle typographie. Il n'y a rien à dire. On se régale, hein. Sympa le petit arbre là-bas là. Au point d'eau. Petite voiture garée là. Oh des bâtiments, de la civilisation. Même sans le top 10, on sait tous que le DS va partir à Punta Cana avec les primes. Il est vrai. Non, il est vrai, il est vrai. Non, c'est vrai, totalement. C'est important après de se ressourcer après 3 semaines de dur labeur. Très 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 important.
Son sprinter. Oui. Ouais, 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 exact. Alors, Russo, Davy. Non, on va mettre Baronchini là. Davy. Bergotz après Davy. Et voilà le chouchou. Prend du terrain sur l'échappée. Certains directeurs sportifs ne devaient pas. Oh là, gêne pas les goats. Enfin, désolé Mathéo, hein, je te respecte, hein, mais là, faut pas gêner les copains. Là. Allez Clément, faut remonter. Il reste maintenant trop long le train pour faire 19ème. Ça respecte pas les coureurs de l'équipe parce que je vois, alors que Belletta va lever les bras. Et là, tu le vois là Merlier? Facile, Dainese champion d'Europe. Facile. Oh shit de Kalebewan. Et moins un. Enfin, il va remonter hein, mais c'est peut-être un effort qui va compter. Pendant que Clément Davy prend les en main le peloton. C'est bien les gars, vous montrez le maillot, on est là. On voit Pipo. Pipo il est beau, il est magnifique. Bon, il a décidé d'enlever son casque, il avait un peu chaud. C'est bien évidemment autorisé par les instances. Ne vous en faites pas, hein, tout est fait dans les règles de l'art du côté de notre équipe. Bon, Quickstep, ils ont tellement peur qu'ils cassent notre train, je peux comprendre, hein, mais manque de fair play là. Putain, mais je les déteste, allez vous faire foutre. Allez, Rune. Non, mais Quickstep. Personne ne vous aime. Hein. Désolé de le dire, hein, mais. Allez, Baronchini. Baronchini, normalement, est, avec ta note de plaine, mon garçon, t'es censé nous placer. Hein. T'es censé être présent. Hein. Non mais c'est grave, ils viennent me casser et après ils retournent sur leur côté là. Allez, on est mort. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ok. Il y a eu de la pression, il y a eu de la pression. C'est un premier sprint hein, de grand tour, c'est normal. Hein. Allez Clément, allez Clément, Dario dans la roue. Allez mon petit Dario, l'exploit. Ça avance pas très vite, allez, 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 allez mon petit, accroche un top 5, je sais pas quelque chose. Victoire de Jakobsen devant Dodi Philipsen, Dainese. 8ème. Bravo Dario. Premier top 10 pour nous. On fumait One. La fraude. Kovi arrive dans le bon groupe. C'est bon, pas de cassure. C'est une bonne première journée. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. GG Dario, 8ème. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Deux top 10 en deux jours. Bah oui, 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 c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis fier de toi, Dario. Oh, on avait dit, on vise meilleure place sur le Giro sur un sprint. 13ème, on fait 8ème. Boum. Giro déjà réussi pour Dario. Et One Guirmet dans la poche. Facile, facile, facile. Ok. On avance. On continue. Avec un très beau relief pour cette étape 3, hein, encore une fois. Ouais. Oh, Matteo, pic de forme! 19 ans. Mathéo. 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 Ouh. Mathéo, bébou. Bon, après, tu vas me dire, les sprinters doivent être contents du début de Giro, en vrai. Mathéo va t'abaisser les sprinters, je le call. Mathéo versus Philipsen versus Merlier. Versus Jakobsen aussi. Ah oui, nous on a une relation particulière avec Mathéo, hein, avec tous nos coureurs, mais j'avoue que nos petits jeunes c'est encore un peu plus particulier. Ah ouais, non, Mathéo, regarde, Mathéo c'est du 76 endu, 80 résistance, 80 accel, 69 sprint. Mais Mathéo, il y a comme une évidence. Si je peux me permettre. Ah, il y a Russo, hein, mais bon, Mathéo... Non, non, Russo, tu vas encore faire le toutou, hein. Désolé, hein. Désolé, désolé Clément, mais... De toute façon, il revient de blessure, hein. Il est pas en jambes. Il est pas du tout en jambes. Et regardez devant quelques coureurs. Il y a une petite équipe sympa, là. Hein. Ouais.
Ouais, équipe très 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 sympa. Y a de quoi faire. Favoritisme entre Belges, ça se comprend. Ah non, mais les gars, Matteo. En fait, ce qui fait chier Russo, c'est son physique, frère. Sa barre rouge, elle fond en deux secondes avec son physique. C'est atroce. Il aurait plus en sprint, plus en accel. Bon, ça compense, mais là, il a quasiment les mêmes notes sprint. Il a même moins d'accel. Genre, vraiment, il n'y a aucun point positif. Genre. En fait, Russo, il sprintera quand il aura des beaux plus 2, plus 3, quoi. Mais bon. Nathalie Vandenberg. Nathalie, ouais, un peu sado sur les bords, je trouve. Hein. En vrai. Après, GG à lui, hein, il monte le maillot, mais j'avoue que deux échappées de 200 bandes tout plates. Non, Nathalie, il se régale. Hein. Voilà, il y avait 205 bornes. Aujourd'hui, 210. Bon. Je me rends pas compte. C'est ridicule, 500 mètres de D+ en 200 bornes. Non? C'est atroce. Soko Tinti. Je me demande même comment ils trouvent les 500 mètres de D+ là. Je pense qu'ils ont un petit peu augmenté le chiffre hein, parce que j'ai fait autant 50 bandes de vélo aujourd'hui. Ah ouais. 100 mètres ça va encore. 100 mètres tous les 10 km en moyenne. C'est quoi pour un truc normal ou dur? 100 mètres tous les 10 km. En Bretagne. Ouais, donc un peu vallonné, des petites côtes par-ci par-là. Mais sans plus quoi. C'est pas dur. Ok. Alors Mirail au sol. Demain, l'épisode 2, je l'ai quasiment fini là. Quarante bornes. Le leader sur le Giro, c'est Kovi. Personne va faire ça. Un peu long le train peut-être pour faire de 9e encore, non? Je sais pas. Après, on se montre, hein. Je me dis, on utilise tout le monde, hein. Ils sont là, autant les utiliser. Regardez comment ils sont beaux. Oh là 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 là. L'équipe. L'équipe qui mène le peloton. Regardez-les. Oh, ils sont beaux. Oh, c'est beau. Non, c'est magnifique. Là c'est les responsabilités, là. Il va pas la chercher. Non. Ça s'est cassé. Prévisible. Échappé, terminé. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Encore 15 km à parcourir. On route bien large, on aime bien. Attention, virage là-bas. Kovi, gêne pas. Reste loin. Va dans le peloton là-bas, Kovi. Écoute pas, hein. Le tempo, il va se passer quelque chose. Pff,
J'ai toujours l'impression que vraiment le jeu nous déteste, genre. On va à gauche, tout le monde va à gauche. On va à droite, tout le monde va à droite. On se fout de nous. Oh non, Pipo, t'as fait quoi? Alors que le peloton se rapproche de l'arrivée, tout le monde semble être d'accord. Ah, Pipo, il est foutu, hein. L'étape se dispute au sprint. Ok, ok, j'ai une idée. Cataclysmique, ce que je viens de faire, non? Non, non, non. Il y a eu un petit moment de flottement, mais ça va. Magnifique ce qu'on vient de faire, non? Allez, Pipo il est là pour placer. Hein. Voilà, magnifique. Gros gros taf de Pipo. Hein. Excellent. Excellent taf, Pipo. Fin de journée. Allez, Matteo! Ah, pas déconnant. Dixième. Ouais, dixième, top 10 encore. On est régulier, hein. On est régulier. Hein. Des petits gars avec 69 sprints, tu veux faire quoi? Ah, Matteo, dixième, c'est bien, c'est bien. Premier top 10 sur grand tour, Matteo. Victoire de Philipsen. C'est vrai que Bennett encore en dehors du top 10, alors que nous, on est constamment dedans, quoi. Putain, 67 d'Axel. Non, il a 67 de sprint. Et c'est un problème. Respectez, hein. Ok. C'est là le chrono déjà? Oh. Oh, mazette. Putain. Ouais. Oh, non, ouais. Parce que chrono, 65, 75. Pipo, on va compter sur toi. 67, 70, 73, 63, 72, 65. Ergods, Davy, Covilly. En vrai, 4 mecs au-dessus de 70. Hein. C'est tant pris sur le 4ème ou 5ème PCM. C'est toujours sur le 5, non? Ou alors c'est 4, mais non. Ils ont enfin mis à jour ce truc. C'est 4? Ok. On a 4 mecs au-dessus de 70 en vrai. Bon. Nous avons déjà pris une 15, une 20 même sur le premier chrono, le premier prologue de 8 km. Combien allons-nous prendre en 31 bornes? Ouais, y a, en 40 bornes, on va se manger quelques trucs dans la gueule, je pense. Hein. Ouais, en 40 bornes, ce serait pas déconnant de se retrouver à 3 minutes. Hein. Léger faux plat montant tout le long en plus. Petite bosse à la fin, petite côte. Oh. Allez, Steph Curry. Putain, on part dans les premiers. C'est pas bon signe, ça peut vu. Ça veut dire classement par équipe, on est cataclysmique, non? C'est ça, non? Ouais, c'est totalement ça. Super. Départ. Départ pour les GOAT. Alors, de grève. Nul à chier, de grève. Eh, hey, de greffe, tu vas mettre un gros relais au début et après on ne voit plus de la course, c'est bon ou pas? Toi, c'est pareil. Va juste demander au Nunard de prendre un giga relais au début. Bon, toi. Toi, t'es notre Vatou. Hop, toi aussi. Bon, catastrophe incoming, c'est bon ou pas?
Premier pointage à une seconde d'Inter. Mais bon, il n'y a que les nullards qui sont partis là. Peut-être même mettre 88. Alors toi t'es vraiment nul à chier. Donc tu vas te sacrifier. C'est buggé? Je les ai mis en garde des positions et on relie, reste derrière. Allô? Super. J'allais dire. Toi là, dégage. La catastrophe. Ah mais si c'est buggé. Pourquoi il reste là lui? Théma, pourquoi ils vont derrière? Allez hop, un nouveau bug sur ce jeu. Qui est étonné? Personne. Je panique. Faut qu'on finisse à 4. Il passe pas. C'est full buggé. Mais... what the fuck? Attendez. Merde. Oh misère. Oh non. Covid, tu tiens, Bebs? Il tient. Ça tient. Où sont les rageux dans le chat? Où sont les rageux dans le chat? Je vous le demande! Chrono d'exception! Gestion à la perfection! T'es marqué assez derrière? T'es mal, ils ont craqué! Les petits bouffons! Bah alors, mon petit! 39 secondes! AG2R. L'autodestiny. Oh, l'autodestiny, ils étaient à 40 secondes. Ah non, j'ai géré comme un chef, hein. Je vous le dis, hein. Ça a été géré comme un chef. 44 secondes pour l'autodestiny. Bahreïn, ils avaient fait un gros temps. Ils avaient fait des gros temps, Bahreïn. 19 secondes. Ah, on avait 20 secondes de retard seulement. Est-ce qu'on a fait... on leur a repris 20 secondes? Oh là 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 là, ils sont complètement écrasés. EF. 10 secondes, c'est très bien. Eh, y a pas de clim, hein. Je vous jure que c'est excellent. EF, c'était l'un des favoris. On prend que 10 secondes seulement sur EF. C'est énorme. Oh là là, mais je suis fier de vous, les mecs.
Bon, Alpecin, il y a Oldani qui a craqué. Ils étaient premiers au deuxième pointage, mais là. Et là, ils explosent! Ils explosent en vol! Oh, ils... Qu'est-ce qu'ils font, eux? Oula, c'est désorganisé, là. Oh, là. Ils finissent bien à 4, hein, mais c'est un peu désorganisé, là. Allez, 55 secondes. Oh, Vistar. Barta, Aramburu, Rodriguez, Oliveira. Ok. Rose avec Pipo. Non, il y avait Bichegger qui était forcément devant nous, non? Je pense. Oui, oui, bah Bichegger, il était déjà en rose. De toute manière. Donc, ouais, c'est vrai, c'était le maillot rose. Masse lâchée, mais non. J'ai pas vu. 33 secondes. Bon chrono, Koff. DSM. DSM, Zuyoff et B20 qui craquent un peu sur la fin. Oui, il a rien perdu. Premier. Putain, s'ils avaient pas craqué sur la fin, ils étaient... Oh, hein. T'es son cassé. C'est ça le problème. Quand on fait une masterclass, c'est parce que le jeu est cassé. Quand on fait de la merde, c'est parce que c'est moi de la merde. Je vous déteste les ultras. Sérieux, c'est honteux. Admettez juste que nos petits bébous ont fait un chrono incroyable. C'est tout. Ineos. You Bernal. Guérin qui a fait péter tout le monde. Premier temps. On est qu'à 20 secondes d'Ineos. Incroyable. Et Bernal qui arrive derrière. Je comprends rien. J'aime bon doubler des mecs. Oh. Oh, bah là, avec Milan, c'est ciao. Hein. Soudal, ils n'ont pas réussi à finir à 4. Ben, nous allons finir 6ème. Ouais, très très bon chrono de notre part. Je suis fier de vous, les mecs. 6ème temps sur le chrono par équipe. Oh, 1-0-7 sur UAE. 59 secondes sur Jumbo. Mais un chrono incroyable. Eh oui. Bon, Tadej est déjà en rose. Ça, il s'en doutait. Philipsen, Chiklamen. Van Dijk jeune, on perd le maillot blanc. Pipo est 4ème. Et je suis fier de vous. Non, rien à dire, rien à dire. On nous voyait déjà 19ème, 3 minutes dans la gueule. On rappelle au départ du chrono. Oh, la catastrophe incoming, machin. Eh bien non, j'irai à la perfection. On est dans le coup. Wesh. Ah, il arrive un poil derrière, Mas. C'est win. Non. Il vient de faire 7ème du chrono par équipe. Alors, premier maillot bleu du Giro à offrir. Eh oui. Gardez le moral de l'équipe, ils sont tous contents. Oh, je les aime trop. Non, je les aime trop. Ils sont tous heureux de vivre. Ils sont tous heureux d'être là. C'est excellent. Le Ricard, ça rassemble. Ok, Dario à la maison. Non, Dario à la maison.
Après, quoique. Oh, Dario à la maison. Attention, regardez, il est en train de partir. Dario à la maison. Rousseau, il a pas trop envie d'être là pour le moment. On est cinquième étape là. Certains directeurs sportifs ne Tain, peuvent pas apprécier l'échappée du jour. Juste parce qu'ils ont personne devant là. Rythme du peloton. Mais quoi? Mais il m'a attaqué au lieu de faire ça là. Du peloton comme une balle. Voilà, merci. Ponomar, Rio. Non, laissez-nous nous barrer à 3. C'est quoi le problème d'être 3? Peloton relou. Peloton très 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 relou. Le peloton vient de reprendre les échappés. Avec vent de face en plus dans la gueule. Et voilà, une attaque dans le. Oh non, mais vraiment ils veulent laisser que deux mecs max. Mais c'est quoi, c'est trop du cul. Désolé de l'expression hein, mais bon c'est genre trois mecs, c'est pas content. Peloton pas content. Oh, il ne suit pas. Ok. Deux mecs peloton content. Oh, deux pistoles. Viens ici. Oh, on se barre à deux, mon pote. Merde. Attends, moi, wesh. Ah, voilà. Oui. Oh, j'ai bien fait de forcer. Hein. Oh non, on est mort. Ok, pas d'échappée pour nous. Ah non, bah là, Belletta, il est KO là. Il est cramé, il va rien faire le chef là. Se donner de gueule. Oh putain, merci d'avoir fait ça PCM, ils m'ont attendu pour qu'on roule à 3. Oh là là, on s'est battu hein, bah là il s'est accroché au mental le Dario hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dario est devant pour un premier maillot bleu à aller chercher tout à l'heure. Eh oui, face à Vandenberg et face à deux Pestel. Prendre un café. Non, 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 vous en faites pas, vous en faites pas. Ça a été dur, ça a été dur, ça a été rude. Mais bon, au bout de 40 km, il est devant. C'est bon. C'est la marque des grands, hein. Au mental, il a pas abandonné. C'est magnifique. Non, ça roule déjà. Arrêtez. Non, non, mais putain, mais le peloton, mais... Laissez-nous être heureux dans la vie, s'il vous plaît. On est mort. On est foutu. Il n'y a déjà plus qu'une 20. Super. Trois minutes. Ouais, ouais. Récupère un peu de jus, Dario. Ah, j'ai soif. Ah, j'ai... Putain, je me suis mal servi. Pardon. Ah, j'ai perdu le bidon. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, mais ils sont relous, les deux, là. Non, s'il vous plaît, le peloton, laissez-nous tranquille. Oh, misère. Il y a qu'une minute. Tu le crois, ça? C'est qui les racistes dans le peloton, là? Soudal, toujours eux. Alpecin, pareil. L'autodestiné. Alors là, mon pote. Allez, allez, c'est pas grave, on se bat, on se bat, on se bat. On a une minute d'avance. Vandenberg de Pestel.
Avant un peu de dôme, il va passer trois quarts face après le virage. Ça va prendre en compte. Nous entamons le dernier tiers de la course. Dario. Ok, moins 1. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds. C'est bon, Dario, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Magnifique, Dario. Excellent. Excellent, les 9 premiers points sont pour nous. De Pestel, Vandenberg, c'est un peu plus dur. Il vient pas te rechercher. Ils viennent pas te rechercher, Dario. Tu vas chercher le maillot bleu. Ils viennent pas te rechercher, on a dit. Tu continues, ils vont parvenir. C'est bien, Dario. Gros boulot, gros taf. Hein, c'est bon, tu fais le trou, 30 secondes. Tu peux savourer, mon grand. Premier maillot bleu de ce Giro pour Dario. Il faut suivre, hein. Ça roule vite dans le peloton. Plus d'une minute d'écart, l'échappée gagne du terrain. Je suis fier de toi, Dario. 18 points. Boum. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers. En plus, ils sont reprendre par le peloton, du coup, ils prennent pas de points. 14 points d'avance. C'est tout bénef. C'est tout bénef pour Dario. Bravo, Dario. Eh ouais, ouais, ouais. Deuxième maillot pour nous. Après le maillot blanc. Attends, le peloton, ça sert à rien. Chill, 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 Dario. Un petit bidon. Voilà. Bonne journée. Va te reposer, mon gars. T'as mérité. Combativité en plus, bah oui. Effectivement. Ah ouais, c'est. Le tempo s'est ralenti. Peut-être que quelque chose se prépare. Attaquant solitaire en tête du peloton. Ah, le vent, il va piquer, hein. Peloton raciste, aujourd'hui. En fait, personne ne veut... Tout le monde... Il faut faire grève, mais par contre... C'est quoi, ça? Il y a pas d'entre-deux, là. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Jour de grève demandé. Ouais, c'est... pourquoi pas, hein. Premier passage sur la ligne. Du coup, il y aura quasiment vent de dos. Bonne info, ça. Wesh. Pardon. Ça fait trop peur. Merci, merci Ju. Bon allez, on se place. 20 derniers kilomètres. Le podium 9 3/4. Ouais, c'est juste, on s'est faufilé. Il y avait un petit passage entre les deux pelotons. Ça a un peu étiré le truc, hein, mais... Il reste exactement 15 km. Par contre, Mathéo, Mathéo, faut se placer là, mon gars. Ouais. Il manque un type là. Il est où, Rune? La vitesse du peloton, c'est quelque... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ergot qui a tout cassé. Putain, le salaud. Est-ce que notre série top 10 va continuer une cinquième journée de suite? Mathéo Albi, donc tu peux t'arrêter, c'est bon. Les autres, ils se démerdent. Encore 10 km à parcourir. Les coureurs arrivent dans les 8 derniers kilomètres de l'étape qui va... Allez, Clément. Se terminer par un... Clément, Ergots, Baroncini, Rousseau, De Grave.
Gros gros taf de Clément. Hein. Magnifique. Rien à dire. Il s'est vraiment sacrifié, mais il a mis tout le jus qu'il avait. Hein. Les coureurs pas moins, pas plus. Allez, Vando. La route est large, le train est bien. C'est bien, c'est bien, Rune. Baroncini, quand il va passer. On va le faire passer maintenant, là. Allez. Allez, Pipo. Super. Full bloqué. Un plaisir. Fin de série, là, je crois. Quoique, Clément. Non, fin de série. Ok. Victoire d'Arnaud. Oh, terrible. 11, 12 et 13. Yes. Oh non, au moment où j'ai lancé Clément de Gravy, il s'est bloqué. Je suis dégoûté. Fin de série. Fin de série. Non. Bon. Là, on est beau, là. Dario Igor Belletta, premier maillot bleu de ce Giro. Ah. C'est beau, c'est beau. Pipo, quatrième au maillot blanc. Très beau. Bon, pas de changement, tout le monde est arrivé dans le même temps. C'est parti. Là, par contre, ça y est, finito le plat, les sprints, on n'en peut plus, là. C'est bon, faire 13e avec des mètres K68. C'est le moment de s'amuser un peu. C'est le moment d'avoir un terrain un peu plus stylé. Vous pouvez dès à présent effectuer une première sélection. Vu des championnats du monde. Tu me parles de ça, on est en mai, frérot. Laisse-moi être dans mon Giro. Ah ouais, Doha, on va se régaler, putain, yes. Allez, finito, finito le tout plat, là. Boum, boum. Petite étape bien vallonnée avec des cols. L'étape des chemins blancs juste après. La première arrivée au sommet. Un premier enchaînement intéressant, là. Premier enchaînement très intéressant. Luca Covidi sera en pic de forme. Non, pour les chemins blancs. Écoutez. Il sera en pic de forme pour l'étape 8. Bon, première arrive au sommet, mais ça aurait été bien pour les chemins blancs, là. 68 pavés, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, même sans le pic, il a plus de prévisionnel, mais bon. Quand même. C'est quoi sur le plat? Rien. Rien, rien, rien. Papa la papa 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 papa. Et voici l'attaque. Oh, la pierre bleue. Oh là là. Allez les gars. Eriksson qui va essayer de sortir aussi. La saison pro. On a mis... Putain l'italien. J'ai un trou là. Mozzato. On a Mozzato en discussion. Pour venir. Pour de grave étant plus 3, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour aujourd'hui. Très très bien même. Il y a maintenant plus d'une minute d'écart entre le peloton et l'échappée. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. J'en ai pas mal là avec Eriksson. Bon par contre, échappée à 2 sur une étape comme ça, ça fait un peu chier. À 3. Ouais. Lonardi, Eriksson, Baroncini. Vrai sprinter. Ah ouais, parce que là... parce que là, c'est pas qu'on a pas mis de sprinter sur la course. Russo est notre meilleur sprinter. De toute l'équipe. Putain, je suis deg, j'aurais aimé une première échappée là. Généralement sur les premières étapes comme ça sur le Giro, il y a des grosses échappées qui jouent en maillot rose et tout. Là on va être à 3, ça va rester à 2 minutes. Hein. On va pas prendre bien plus. Hein.
On s'en fout du sprint. On roule, on roule, on roule. Ah, c'est dommage d'être si peu. Mais bon. Ça prend plus l'air, là. 50. Ouais. Ah, quand même. Kovi, meilleur grimpeur de l'équipe. Accélération de Baroncini. Il va falloir essayer de lui faire mal à Lonardi, hein, parce qu'en pointe de vitesse pure, le type va pas être évident à déloger. Hein. Ok, on a bien fait de forcer de plus loin. 14 points. Attends. Bon, autant prendre les petits Puntos derrière là. Il reste des points. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. On entame la deuxième moitié de la course. Continuer, hein. Les coureurs vont maintenant être de plus en plus vigilants. Il a pris un seul point, histoire de rester devant Baroncini. Il y a une petite bataille d'ego dans l'équipe. Coureurs en difficulté à l'arrière. Ça vaut quoi le pignouf? On attend, ça a rien de rester tout seul. Il reste 78 bornes encore. Voilà. Je suis pas roulé, hein. Désolé, hein. J'ai Dario derrière. On va voir cette année. Pas trop. On verra au feeling. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de rester intercalé, mais bon. Retrouver à 6 avec deux cartes devant. Plusieurs coureurs sont en difficulté. Il n'y a pas de place. Ah bah ça c'est magnifique hein. De toute façon ce serait pas gérable. En soi. Quand tu veux faire payer des mecs sur 200 km. Après je crois qu'il y a des circuits, des... Commence à y avoir des trucs où ça fait payer pour être sur le genre à l'arrivée ou... Ça me dit un truc ça, hein. J'ai déjà entendu parler de choses comme ça. Pas fou mais bon. Fin de l'échappée, le groupe vient d'être repris. Le peloton a augmenté son allure. Ouais. Quarante bandes de l'arrivée. J'avais payé ma place. Ah, au chrono de Marseille, là?
Tenzone. Oh bah heureusement, enfer. La vitesse du peloton s'est quelque peu ralentie. Et voici l'attaque de Filippo Baroncini. Filippo Baroncini. Merci Benalla pour le troisième mois. Allez Dario, on est là. Il est sorti un pipo. Il est sorti. Il y a Odek qui est là, il y a De Graaf qui est placé. Ah, c'est long encore, 30 bornes, mais bon. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Eh. Bien fait de sortir la pipo là. Ça a basculé avec la minute. Ça reprend des points. Le maillot sera à nous demain toujours sur un autre coureur, mais à nous. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. 36 points, Baroncini. Kovi est là. The fuck, un brochou. Fais tourner le maillot. Eh ouais, c'est important. C'est important. Un petit bidon à la descente, mais 40 secondes. Ah, je sais pas, il y a De Graaf qui me fait de l'œil. Bon, il manque un peu de descente, hein, le Matteo. Surtout pour une arrivée comme ça, faux plat montant. Un vrai Russo, hein, avec son plus 2 aujourd'hui. Hein. Russo peut être intéressant, hein. Baroncini toujours devant 20 km. C'est bien Pipo ce que tu fais. Magnifique même ce que tu fais Pipo. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Pokovi. Ah ça paraît pas hyper dur si. Je sais pas. Il reste maintenant moins de 15 km. Je crois pas, hein, mais je crois pas trop. Oh, le numéro de Pipo quand même. Place-le. En mode on est mal placé. Hyper bien placé là. Oh, si ça monte au sprint comme ça, on pourra pas attaquer. Ça c'est sûr. Ouais, Baroncini va se ravoir. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Attaque d'O'Connor. Les coureurs ont augmenté leur allure. Encore 10 km à parcourir. Ah, le truc, c'est que c'est pas non plus assez dur pour sortir d'un peloton, quoi. Je trouve. Avec un tempo pareil. Putain, au bout petit. Au bout mon gars. Tu te retournes pas. Oula, ceux qui mènent le train ne vont tu ne te retournes pas. C'est un ordre. C'est un ordre du DS. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Allez Matteo! Oh Matteo, 19 ans. 19 ans le petit Matteo! Faut pas te retourner, mon garçon! 15 secondes! Baroncini, on s'en fout, il passe pas, il est trop bas. Allez. Accélération de Magnulti. Oui, il est bien sorti quand même. Il est très très bien sorti, Matteo. Matteo est très très bien. Magnulti est revenu, mais est-ce qu'il va pouvoir faire la diff? Matteo Magnulti! Matteo Magnulti, n'importe quoi, Brandon!
Allez, Matteo résiste, il va résister. 19 ans et déjà vainqueur sur un grand tour. Déjà vainqueur sur le Giro. Devant Brandon Magnulti, devant Albanese. Oh là 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 là, mais quel roi, mais Matteo, mais Matteo. Kovi arrive dans le bon groupe derrière, tranquille, 14e. Russo 18e. Ah, il y a un Matteo Magnulti qui est sorti, mais c'est les émotions, quoi. C'est dur pour le moral. Matteo. Matteo, Matteo. Ah. Oh non. Oh, vas-y, le pauvre. As-tu bon retour. Ah, il était déjà dernier et tout. Oh là là. Bon, Matteo qui lève les bras, ça, ça fait plaisir. Eh, Magnulti qui prend le maillot rose à son propre leader. Y aurait-il de la tension chez UAE? Baroncini, meilleur grimpeur, devant Belletta, devant Matteo, au cas où, hein, si jamais on se doutait. Voilà, si jamais il y avait un petit doute. Putain, le pauvre. T'es dernier? T'es en galère? T'en peux plus? Tu tombes tout seul? Manque de vigilance, boum, abandon, blessure. Boum, coccyx en moins, un mois et demi de blessure. Victoire prestigieuse, mais tu m'étonnes, Matteo. Mais Matteo, troisième victoire. On rappelle quand même Matteo. Son histoire, c'est quoi, Matteo? Matteo, c'était un énorme tour de Catalogne avec une victoire d'étape, port du maillot de leader, deux autres podiums. Matteo, quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez du peu. Non, Matteo, c'est juste les émotions, en fait, ce qui nous fait. Mais bon. C'est juste le GOAT, en fait. T'es un vainqueur sur le Giro. Oh. Oh, Matteo. Bon, l'étape des chemins blancs. Dan Hull qui abandonne. De l'homme loup, ouais. Il a plus 4 bébous. Fais-toi plaise, fais-toi plaise, fais-toi plaise. Bon, après cette étape-là, Kovi sera en pic de forme pour la première arrivée au sommet. Bon, il n'y a pas non plus énormément de chemin blanc. Mais bon, c'est 215 bornes, ça arrive en fin d'étape, ça peut créer des choses bizarres. Bonjour et bienvenue. Cette course présente des secteurs pavés réputés pour mettre à mal les vélos et les organismes. C'est un véritable exercice de style. Les conditions climatiques sont excellentes. Matteo plus 3. Bon, il n'y a pas de casse, mais il a trop fêté la veille, Matteo. Eh ben, en vrai, Matteo devant. Attends. Tu rigoles ou quoi? Matteo échappé. C'est jamais, avec les chemins blancs à la fin. On sait jamais. Kovi, petit plus 1. Ça lui fait 70 pavés. Ouais. Russo en plus 3, solide. Solide. Ergot, c'est pas mal. Ça s'agite à l'avant. On va voir par contre. Eh, grosse échappée en vue là, non? Il y a un mec à 2,27. Mais très très grosse échappée en vue.
Imagine le back-to-back. On va voir. Bahreïn n'a pas l'air très emballé à l'idée de laisser. Ah, quoique. Ça laisse partir. 19 hommes en tête. Matteo dans l'échappée. J'ai commencé à avoir des émotions un peu trop fortes pour ce minot. Non. Le petit, il va rentrer un peu trop dans notre cœur, là. Ça pose problème. Ça pose problème parce que quand il va nous demander trop d'argent et qu'on devra le laisser partir, on va être déchiré. Hein. Eh oui. Ça va nous déchirer le cœur, ça. Et ça va péter le champagne. Vas-y, fais donc. Ratonner comme jamais. Bah là, de toute façon, on se cache en queue de peloton. Pas de problème. On nous voit pas. J'espère qu'ils ont mis. Oui, ça sera en pavé. J'espère que c'est du 2 étoiles. Hein. Que ça fasse mal. Hein. Si c'est du pavé 1 étoile, ce sera pas du 2. J'y crois 0. Si c'est du pavé 1 étoile, ça va. Ça va pas être fameux. Hein. Ça va pas faire hyper mal non plus. Oh là là, mais regardez-moi ce flou. Oh là 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 là. Attendez. Oh. Même les chaussures sont bleues, quoi. Non, nous, on vit que pour les cams, hein, mais... C'est important. Merde. Ouais, après, on s'en fout du maillot bleu, là. Il y a un autre objectif là pour aujourd'hui là. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus. L'objectif est tout autre pour Matteo. On va perdre de l'énergie pour des futilités. Hein. Pas grave. Non, on va pas s'éparpiller. Déjà qu'on galère à suivre. Pas trop partir, ouais, il y a 3 minutes. Hein. En même temps, je pense qu'il y a certains mecs dans le peloton qui. Ah, ça les tombe bien, hein, cette étape des chemins blancs, je pense. Je pense que Poya, tu vois, cette étape des chemins blancs. Faire gaffe quand même, ça fasse pas le sprint, pas se faire lâcher. Non, c'est bon. Ok. Matteo est là. Matteo est présent. Matteo est solide sur les appuis. 2-20 d'avance sur le peloton. Allez, dernier bidon, Matteo. Le final arrive. Putain, elle me fait flipper cette étape. Luca. J'ai confiance en toi, Luca. C'est qui notre meilleur aide là? Parce que Harry Gods, oui, ok, mais il est nul en montagne. Après, tu vas me dire, ils sont tous nuls en montagne. Russo, c'est pareil. Je suis général. Bah oui. Bah oui, j'allais te le dire. Étape 6, étape 7, on va tout lâcher. Ouais. Chute d'Arnaud.
Arensman. Oh, ça commence. Verte, c'est terrifiant. Ah, c'est normal, les étapes sont longues. Hein. C'est des longues, longues étapes. En même temps, 2010, ils adoraient faire des enchaînements de 220 bandes tous les jours, là. Eh, ça lâche déjà un Ponomar, Stork. Stork, c'était le mieux placé au GN. Bon, le GN, de toute façon, ça n'a pas laissé assez d'avance. Dans le groupe d'échappée. Ouais, je sais, j'ai changé d'avis, mais j'ai vu qu'on était bien placé. De toute manière, on aurait dû faire l'effort pour suivre. Bon. Luca, j'espère que t'es prêt pour les chemins blancs. Se font lâcher. Ah, super. Tout le monde dans la cassure. Bon, les chemins blancs arrivent devant. Ça va être l'heure. Ça va être l'heure, ça va être l'heure. Palmer, ça va être fini. C'est du 2 étoiles. Oh lolo, ça va être dur. Ok, c'est l'heure. C'est le moment. Suivre le tempo, suivre tout le monde. Parce que là, en plus, ça fait pas semblant, là. Trek, ça y va direct, hein. Ah ouais, attention, crevaison aussi. Ça, Dario ? Demander à Baroncini de venir nous aider parce que il a l'air d'un peu galérer, Dario. Matteo est placé dans le groupe d'échappée. Attention, hein, ça casse. Hein. Attention aux cassures. Ah, Dario est là. Ok. Thor reste placé du coup. On est dans le premier peloton. On est dans le premier peloton de 36. Je n'ai pas trop regardé faire le point sur qui est présent, qui est pas présent, mais... Il est où Poggi, là? Il est plus en rose, hein. C'est Magnulti, il est là. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. C'est parti. 5 bornes, oh misère. Pas beaucoup de jaune quand même. 3 hein. Étoiles. Oh la voiture. Oh, que fait l'orga? C'est n'importe quoi. Eh Matteo, Matteo est dans une forme olympique. Cette côte présente... Montre qui tu es au monde, mon petit. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Allez, on est là, on est placé avec Luca. Heutebrus qui mène le peloton, le maillot rosé là. C'est un bordel. C'est un bordel monstre. Baroncini, ça va être fini. Honor God. Plus que 25 dans le peloton. Kovi s'accroche. Sacré mental. Et Matteo toujours devant. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Oh, Henrik Maas. C'est difficile pour Henrik Maas. Qui a du mal dans les chemins blancs. Aïe, 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 aïe. Se faire décrocher. Nelson Paulès qui va, Magnulti avec Poggi. Mais Kovi est toujours là. Champion. Champion mon Luca. Allez Rune, beau taf. O'Connor c'est dur, Gal. Magnulti, travail exceptionnel. C'est terminé pour Matteo qui aura tout donné. Mais attends, mais Kovi, il est monstrueux le chef là. Ok. On va rester là. On va rester ici. De toute manière, on ne pourra pas aller bien plus loin. Dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Ah. Super. Et devant, ils sont que 4. Paulès, Magnulti, Poggi, Godu.
Soler un peu, hein, qui a un peu lâché. Covillier juste derrière. Un Rentsman. Encore une crevaison. On va attendre Mathé, on va attendre Mathé de toute manière. Va falloir se faire aider là. Devant, ça dit quoi? Godu qui a un peu de mal. Ils sont 4. Tu relais Mathéo, mon petit Timen. Il reste une bosse, hein. Il reste une bosse, on va rester là. Il y en a de partout, hein. Quel bordel. Encore une crevaison. Prends Mathéo, par contre, la journée droit, sérieux, mais c'est n'importe quoi ce mec, hein. Je suis fier de lui, hein. Tout le monde est fier de toi, Mathéo, hein. Tout le monde est très fier de toi. Allez, Luca! Là, Mathéo, il nous a peut-être été utile sans le savoir, hein. Finissez-vous, prenez vos bidons, vous. Allez, Paulès qui accélère, c'est terminé pour Soler. Ah, on va finir avec un Rentsman, nous, avec Covid. Hein. Pourra pas aller plus loin. Pourra pas aller plus haut, même si ça se regarde un petit peu devant. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin du tout. Ça lance le sprint. Dommage. Dommage, dommage. Victoire de qui? Poga. Le dernier virage. Ça joue entre David et Tadei. Oh là là, David. Super. David s'impose. Patron. Taille patron. Victoire de Godu. Dans Pogacar Paulès, on arrive qu'à 30 secondes. Énorme perf. Énorme perf de Luca Covilli. Matteo va arriver dans le groupe là. Dis-moi qui fait top 10 ce roi. Il mérite trop. 8ème. 9ème. Juste battu par Julien. Oh là là, l'étape de fou. C'est parti dans tous les sens, hein. C'est parti en couille, hein. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement... C'est parti dans tous les sens. Et Kovi est peut-être en place. Bon, c'est pas de la pure montagne, hein, ça change rien, hein. Mais bon, il y a des mecs qui vont prendre cher là, hein. Ça fait tellement mal. Oh, je suis mort. C'est des assassins, les orgas. Putain, si Mathéo avait un poil plus d'énergie, il y a un monde où on revient. Eh, on prend que 32 secondes. On est 7ème du général. Tadei leader. Baronchini garde son maillot. Mathéo deuxième. Au classement des jeunes, on n'est plus là. Bon, Mathéo est quatrième, mais bon. Il retourne sur des... Eh ouais. Ah ouais, par contre, les Italiens, là... Bon, il y a le groupe à 2.31, là, avec Sian. Avec Grégoire, avec O'Connor, Guérent. Bernal finit à 5.40, Henrik Mas à 4.53. Ça pique, hein. Oh, les écarts de fou. Tobias Foss, Klog. Klog, c'est censé être le leader jumbo. 8-14. Eh ben. Ça fait des dégâts, hein. Ça fait le bordel. C'était trop kiffant à jouer. Bon, première arrive au sommet maintenant. Ah, ça enchaîne, hein. Ça enchaîne, ça enchaîne. Après les routes blanches, boum. Et pic de forme pour Luca Covilli. Il avait plus 1, en vrai, eh, ne serait-ce qu'avec un plus 2, comme on les tient facile devant. Oh! Baronchini aussi, pic de forme. Allez, ça part. Luca, on est à l'aube de quelque chose de grand. Monte Terminilio. Première étape de haute montagne, il y a Poga, les favoris c'est lui, Henrik Maas, Magnulti, Ayuso, Godu, Heutebrooks à 80 montagnes, Adam Yates, 79, on a O'Connor, Tao, Sivakov, Geraint Thomas et toute la clique. Sur le tour, tous nos meilleurs coureurs, mais on le fera, on le jouera comme l'année dernière, le tour, en mode baroudeur, échappé.
Ah oui, ils ont envoyé l'armada. Ouais. Il est où? Il est là. Bon, écoute, en vrai, avec le barème du Giron, on va essayer de gratter les 9 points par-ci par-là. J'y crois pas trop parce que c'est des gros 40 points à chaque fois les acheter, mais... Là, il nous suffit d'une petite dizaine de points et on est sûr de garder le maillot quasiment, donc... Allez, Baroncini, tu revas devant. De toute façon, quasiment tous les jours, ça va mettre quelqu'un devant. Balmer, petit zéro. Aujourd'hui, tu vas être important, mon gars. Tu vas être très, très, très important. Matteo, ça va être pareil. On va avoir besoin de toi. On fait le Giro là. Est-ce que ce serait pas là la grosse échappée qui va au bout? Généralement, c'est sur la première arrivée au sommet. Après la première arrivée au sommet, là, il est étape 8, elle est pas étape 3 ou 4. Ça peut changer la donne. Mais bon, c'est possible. Hein. Bon, nous, dans tous les cas, on n'a pas de carte à mettre devant pour ça, quoi. Ah ouais, 28 mecs devant. Covid sera sur le tour, ouais. On verra dans quel état, mais... De toute façon, sur le tour, ce sera tout le monde de tous ceux qu'on connaît, hein. Axel, Covid... Il y aura VPP. Bon, Pipo, c'est que du 9 points. Mais si tu peux les prendre, comme ça, le vainqueur de l'étape sait qu'il prendra pas le maillot. Dans l'état d'un tenant du titre du Giro, je crois bien. Ouais, c'est vrai. Quel beau gosse. Allez, Pipo. Démarrage de Baroncini. Magnifique, Pipo. Très, 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 très bon taf. 45 points. Il y a Fabro qui est quand même à 22. Hein. Faudra faire gaffe à ce qu'il gagne pas l'étape. Si jamais ça va au bout. Parce que j'ai bien l'impression que c'est une échappée qui peut... Ouais. Le contrôle, mais tu sens que c'est pas non plus le contrôle du siècle, quoi. Ça va, Tadei? T'es déjà bien, là? Ouais. Petit col Nago Rose. On sent que UAE a déjà prévu de le garder longtemps, ce maillot. Hein. Ah non, on sent que c'est pas que pour une journée, hein. Bon, Pipo, autre objectif de la journée, deuxième grimpeur, là. Et après, force à toi. Parce que là, il y a du Fortunato, il y a du Juan P. Lopez, du Zana. Il y a du Pierre Latour aussi. Après le troisième 4, on sera plus là, nous. En tout cas, on sera pas au sommet de du dernier col. Là, c'est l'étape 8. Ah, ça va aller au bout. Hein. C'est la fameuse étape où l'échappée va aller au bout. Potentiellement un gars qui va prendre le maillot rose. Bon, même si là, il y a quand même de sacrés écarts déjà. Bah, c'est nous le mieux placé. Équipes ont pris l'allure du peloton en main. Mais bon, à 10 minutes, donc... Il n'y a aucun danger pour le peloton. Ça peut laisser aller au bout. Pas de soucis. Ah bon non, Guerrero derrière. Ruben Guerrero qui abandonne. Ok. Hashtag Pipo propagande. Pipo en rose.
Thibaut, il aura tout fait. Hein. Maillot blanc, maillot bleu, maillot rose bientôt. Étonnerie quand même, mais... Chute de Bernal. Eh, 10 minutes, hein, l'écart. Hein. Et puis on va nous chercher les 9 points là. Parce que Fabro, il peut être dangereux en vrai. Bon, et après, est-ce qu'il va gagner l'étape? Vu son physique et tout, j'y crois pas trop. Regardez le démarrage de Tana. Touche pas, ça joue des coudes, hein. C'est dur. Hein. C'est rude, 49 points. Non, on est passé 2, je crois qu'on a pris 4. Ouais. 49 Fabro, 22. M'a posé vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque. Ouais. Ah ouais, non, UAE, on a vraiment rien à foutre. Hein. Ça contrôle un peu, mais ils vont garder le maillot rose et ça laisse juste aller au bout tranquille. Hein. Ça se passe. Bah, ça se passe très bien. On a gagné une étape, on a le maillot bleu. On est 7ème au Gène après une grosse étape des chemins blancs. Ça se passe bien là. Bon, la montagne arrive donc. On va voir si ça va continuer à bien se passer. Bon! Pas au bout. Pas au bout? Bah non, jamais la vie, là c'est gagné là. Salut QLS. Il y a 9 minutes, 17 bornes. Oh. Ça peut reprendre pas mal de temps si ça attaque fort le col dans le peloton, mais. À mon avis, ça devrait le faire. C'est le moment de puiser dans ses réserves. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Bon, Davy et Russo, eux, ils vont servir à rien. Pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Il reste maintenant moins de 15 km. À copier. Même s'il attaque au pied, c'est mort. Hein. 9 minutes en 15 bornes. Bon, Pipon, on va pas te gérer. Force à Watt. Bon, on est placé, hein. On est vigilant. C'est parti. 16 km d'ascension. On était terminé, Lio. Moi-même. Ouais, en même temps, c'est dur de jouer à PCM d'hiver. Hein. Déjà, il jouait de janvier à septembre. Des fois, t'as un peu des... bon, t'as pas envie d'y jouer. Bah alors l'hiver. Motivé. Ah ouais, non. Franchini a un problème. Mais non. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâcher. Bianchini. Attends, on a reculé d'un coup là. Que les plus costauds peuvent creuser un écart. Ah, Mathéo. Sérieux? Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Huitième étape là. C'est là qu'on va sentir le manque d'équipiers là. Là. Ouais, Baroncini limite il va nous attendre. Hein. De toute façon il sert à rien là. Là il ne sert strictement à rien. Et au moins, on aura un mec avec un peu de jus qui pourra nous aider sur quelques mètres. Movistar a pris la tête de peloton. C'est monté tellement vite au pied, what the fuck. Est-ce qu'il y a devant? 2-5.
Et ouais, je... Le tempo, il est fou, hein. Pourtant, on a 80 montagnes, 80 endus, hein. C'est pas mal, hein. Et là, le tempo, il est aberrant, la Demolistar, là. Ça fait tellement mal. Allez, Belletta, c'est fini. Le français David Godu passe à l'offensive maintenant. Ah ouais, non, par contre, ça fait des gros barrages dès qu'il y a une attaque d'un mec, ça va pas le faire. Hein. Tellement, en 100 mètres, ils ont pris une minute. Ah, il va être utile, Baroncini. Hein. Il va être utile, il va être utile. Merci Konungur pour le sub. Merci mec. Oh, la course de côte atroce. Ah ouais, ce sera plus marrant les enchaînements de col, je pense, parce que là... Là, vu que c'était tout plat avant et que ça a pas roulé du tout, c'est compliqué. Bon, on est dans le bon groupe, hein, mais... Il reste deux bornes. Allez, Pipo, aide-nous. Il y a que Henrik Maas devant, mais qui est un peu plus loin au gène. Il y a que lui, non? Ah, il y a que Henrik. Et là, Tadej. Il se fait reprendre en plus, magnifique. On est bien, on est bien, on s'est pas affolé. Et on va finir dans le bon groupe des favoris avec Luca Covilli. Mais non. On va même gratter des secondes gratos. Pourquoi il... C'est qui a fait la cassure là que je le remercie là? C'est David. La course est jouée, mais les attaques... Eh, Baroncini a été plus qu'utile maman. Ah, c'est Zana qui a gagné, d'ailleurs. Devant, bon. Pas trop suivi, mais... Ah vite, c'est fait exprès, ça, je reconnais. Il y a un mec, il a créé la cassure, je crois on va gratter quelques millisecondes, là. C'est pas très beau, quand même, hein, ce genre d'étape sur PCM, où c'est tout plat et t'as juste un col qui se dresse à la fin. Parce que t'as tout le monde qui est frais, qui arrive full barre au pied, y a personne qui lâche, quoi. T'as juste un peloton de 80 qui tient au sprint pendant 10 bornes. Bon, Zana s'impose, le général, il est là. Tadej toujours en rose, forcément, devant Magnulti qui tient. Nous, on est 6ème, on a gratté une place, non? Oh, 2 points, non? Oh, c'est pas beau. Ah, il nous a gratté le maillot pour 2 points, oh. Regardez, 11 secondes de gratté. Gratos comme ça. Ah, mais on a pris la place de Paulès. Qui a peut-être fini un peu plus loin, Paulès. Ah, Paulès, il est dans le groupe à 6,59. Il était lâché. Tu vas le récup. Bon, après, on s'en fout un peu du classement de la montagne, je t'avoue. On est avec des mecs qui ont 70 montagnes grand max, quoi. Même avec un plus 3, il a pas 70, Baroncini. C'est très très bien, on est 6ème, on est placé. Pour le moment, tout se passe bien. Première semaine, parfaite. Hein. Grosse étape des chemins blancs, on a bien géré le chrono par équipe. On a fait 6ème. Première étape de montagne, on est dans le coup. Parfait, parfait. On va pouvoir chill 2 jours, là. 2 étapes de plaine. C'est à partir de là que ça va partir en couille. Là, jusqu'à l'étape 12, c'est à peu près tranquille. Par contre, à partir de l'étape 12... Ah mon gars, c'est finito. Zone Colan, chrono montagne. Oh Adrien. Le grave a gagné l'étape 6. Celle-là.
Forza Sprinter. Ah là, c'est les derniers moments chill, hein. Après, c'est fini. Grand tour avec 21 chronos, hein, l'enfer. L'amusement. Ah, Ganna il signe, hein, mais. Russo plus 3, c'est ton heure, mon gars. Eh ouais, c'est ton heure, c'est ton heure. Matteo Poisson pilote. Et on part. Attaque de Lorenz de plus. Et on part tous ensemble. Attends. Et regardez devant quelques coureurs. On va faire ça le début parce que bizarre l'ambiance là. Bon là j'avoue on prend pas trop l'échappée en même temps. Je trouve qu'on a assez montré le maillot dans l'échappée et on a fait de bonnes choses devant. On a le droit au repos là. Là on laisse les petites équipes qui font que dalle, qu'on voit jamais. Koratek, vas-y c'est votre moment Koratek. On n'aura pas porté le maillot rose. La dernière retour on aura porté le maillot jaune mais... Dommage. Et à mon avis, ça m'étonnerait. Là, franchement, si on porte le maillot rose à partir de maintenant, c'est vraiment... il se passe un truc chelou. Ouais, après, attention, il y aura plus de sprints qu'un seul. Hein. C'est comme d'hab, sur la Volta, tu regardes sur tous les sites, ils te disent que c'est 21 étapes vallonnées et de montagne. Généralement pour les profils c'est un peu mal foutu. Une étape où il va y avoir un col ou un petit truc vallonné à 100 bornes de l'arrivée, ils vont te le mettre en vallon. Sur ce genre de site. Dur. Bon ce sera comme d'hab, il y aura au moins 4-5 sprints quoi. Il y aura le sprint toujours frais sous gagne. Et c'est bon. J'espère que tu finiras devant Godu prochaine. On espère tous, mec. Ça, on finira devant tout le monde vu qu'on va gagner le Giro. Les chutes, ça crée... Quoi? Chute, ça crée un peu des petites cassures là. Mais non, Arensman, Magnulti, Thomas, Paules. Oh les cons. Le peloton vient de reprendre. Qu'est-ce qui s'est passé là? The fuck. Ankovi s'est retrouvé. Je pense que sans le vouloir j'ai bloqué des types enfin, j'ai bloqué je me suis auto-bloqué avec mon équipe quand j'ai fait le train. Et sprint en petit comité faux plat montant. Rousseau il aime bien ça hein. Ok, l'étape à la Geoffrey Soupe arrive les gars. Et cette fois-ci sera pour Clément.
Après Geoffrey Soupe, Clément Russo, vainqueur d'un sprint massif en World Tour. Sur un grand tour. Ah oui. Nous ne vivons que pour ça. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres. Oh, si on ne s'est pas bloqué pour le moment, ça va. Ah si, Russo, il est un peu dans la merde là. Allez, joue des épaules là, chef. Te laisse pas avoir. Les coureurs arrivent dans les 8 derniers kilomètres de l'étape qui va sans doute se terminer par un sprint massif. Oh oula, Baroncini, tu fais 2 mètres cubes. C'est malheureux, mais sa course va s'arrêter là. Oh non, Mathis. Oh là là, Mathis Lebert abandon, je crois. C'est un peu le bordel là. Sur Radio Tour qu'un coureur vient d'abandonner. Encore 5 km à parcourir. Allez Pipo. Oh mais ça va être un sprint de vraiment très très costaud là. Oh là là, le taf de Pipo Baroncini. Ah oui, là va falloir être fort là. Là va pas falloir bégayer. Avec Clément. Un peu gêné Clément, mais ça va passer, il va y avoir un top 10 au bout. Victoire de Merlier devant Philippe Sendeli, Mozzato, Lawless. Clément Russo top 10. Bon. Un autre top 10 au sprint pour nous. Bon, Kovigi arrive dans le bon groupe. Oh. Notre ami Kovigi va passer quatrième. Non, peut-être pas, Magnuti va rester devant, mais là, ils sont jamais revenus, hein. Les cassures avec les chutes, là. C'est jamais rentré. Ouais, mais attends, mais le final, c'était fausse étape de plaine, ça. Hein. Au final, c'est quand même un gros sprint, mais... Ah, non, on reste. Ah si, quatrième. Hein? Il y a Soler aussi qui a sauté. C'est qui a sauté, là? Paulès, Soler? On est quatrième, mais il y a un équipier devant nous. Putain, on va commencer à arriver de trucs irréalisables. Ça me fait peur. On va s'enflammer. On va s'enflammer très fort, là. Un Rensman solaire. Ah, on passe de 6 à 4. Putain, on aurait pu passer 3. 8 minutes de plus, on passait 3. Ok. Point de dossier, on ne doit pas les mettre si je dis pas de conneries. Attendez. Si je dis pas de conneries, il faut encore qu'on garde 6 points de plus. Mercato, PCT. Ouais, c'est ça, c'est 11 points. Bon, pour le moment, ça va pas monter. C'est un braquage. S'il ne pas en point, c'est un braquage. Non, mais il va demander trop cher en salaire. J'avais pas vu. Il est à 78. Je vois pas. Oh, il a 81. Ah mais il va demander un salaire de zinzin, hein. On va se reviser la gueule à cause de ça. Pas risqué. Ah, déjà ça m'étonne qu'il ait pas augmenté de points de dossier. Oh bordel. Ah, le timing est pas ouf là en vrai. Le braquage ça aurait été qu'on le signe et qu'il up en août ou en septembre, ça aurait été le braquage. Putain, sérieux, des grosses étapes de plaine, tu mets 220 bornes. Laissez-nous nous reposer, non? Oh, on n'en peut plus!
Le petit Covid, il va péter un plomb. Ok, oh, en plus il pleut. Oh non, non, non. Ayuso a abandonné, c'est vrai ça? Bon, après il était hyper loin, mais. Ah oui, Oscar Rodriguez aussi. Il a perdu Ayuso, Tadei. Bon, il était pas du tout dans le coup pour le Gen, mais c'est un énorme équipier en moins. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Putain, on va vraiment commencer à croire qu'on va gagner quoi. Et c'est pas bien parce que on va. Si on fait 4ème, on va être déçu. Alors que bon. Voilà quoi. Russo encore plus 3. Non mais lui. T'as envie de prouver Clément. Je le sais mais. Il a pas up lui? Je dis complètement de la merde. Il était vraiment à 72 accès, 72 vallons. On va aller voir dans le menu. Ah bah attends, on peut. Ah ouais, j'ai rien dit. 70, 71, 70. Ah non, j'ai rien dit. Putain, je sais pas pourquoi je pensais qu'il était à 70 en vallon aussi. Peut-être pas, mais podium possible. Et même podium, c'est. Il n'y a eu qu'une étape de montagne. Hein. Moi, je vous dis, je m'enflamme pas. On va s'enflammer, on va croire à des choses bizarres. On va s'enflammer, on va faire 4-5ème à la fin, ce qui est déjà une énorme perf, et on va être triste. À cause de l'enflammade. Serait pas mal. En même temps, on avait regardé la start list, il y avait 13 ou 14 mecs à 78-79 montagnes minimum. C'est pas rien. Encore plus au-dessus de 79-80, il y en avait au moins 7-8. Au-dessus de 80. Moitié des UAE. Ouais, 4 UAE. Il est où le petit Matteo là? Matteo, il y a des points grattés au-dessus là. Matteo, tu peux reprendre un petit maillot? Pourquoi il n'y a pas d'échappée, ça roule comme ça, la Jumbo? Qu'est-ce qu'ils nous font, là? Oui, le Barta. Oh, le numéro qu'il a sorti, Barta, c'est n'importe quoi. 50 bornes en solo. À 25 bornes, il y avait déjà moins de 30 secondes. Petit maillot demain, Matteo. J'espère que t'es fier. Petit maillot bleu. Eh oui. Pour le moment, c'est calme quand même. On n'a pas trop eu de chute. Hein. Ça me fait peur aussi. Hein. Ça peut pas durer 3 semaines. Ça, à un moment donné, on va se manger des trucs. Hein. À un moment donné, on va se manger des trucs dans la tête. Parce que ça se passe, c'est terriblement calme. Qui kiffe devant? C'est qui? Madame Yetz.
En cyclo. Ah, j'ai regardé le départ. Après deux virages, c'était fini, quoi. C'est terrible. Même dès le début, en fait. Et premier, dès la première axelle, c'est Namp. Jakobsen lâché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent pas de rentrer, là? Super. Ouais, le jeu qui trouvait que... Pardon, qu'on galérait un peu trop sur les sprints, qui a décidé de nous faire des petits cadeaux. Par contre, encore 220 bornes, je vois les barres jaunes, j'ai envie de crever, quoi. Même pas je me frotte à eux, c'est bon ou pas? Non, ils sont fous. Même pas je me frotte à eux, je vais aller sprinter contre Philipsen sur un sprint inter. Bah oui, j'allais te le dire. La vitesse du peloton s'est quelque peu ralentie. Bah attends, mais ils sont tous cramés là? C'est passé quoi? Loka, il est placé. Il est là. Super ça. Ça c'est du bon train ça. On va pas avoir un train fini là. Par contre Merlier lui son train... Et là, la win de Geoffrey Soupe. Ah ouais. Attention, on signale la chute. Oh, chute d'Henrik Mas et David Godu. Putain, il s'est relevé vite. Henrik Mas s'est pas relevé vite. Henrik Mas s'est pas relevé vite du tout. Il est lâché. Il est lâché, Henrik Mas. Il est déjà rentré. Les sprinteurs cherchent à se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Allez, Pipo. Après, faut arrêter d'être con. Hein. Arrête d'aller dans ton train, toi. On est dans la merde. Là, je t'explique. Vu les blocs qu'on se mange dans la gueule, là. Il n'y a plus de barre rouge là pour sprinter. Bon allez. Force à toi Clément. Ouah le virage de fou en plus. Allez hop. C'est salut. Ouah la honte un virage pareil. Guirémé qui gagne. Dans Merlier et Deli. Putain mais on s'est battu par Pogaus à chaque sprint. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je suis écœuré. Ah c'est rentré Henrik hein. Massi ça a un peu fait peur. Mais ça passe. Ah, encore Bahrain qui termine bon dernier. Si ça c'est pas beau. Allez l'homme ce soir. Ouais, ouais, merci Froblé pour le prime. Bon, Matteo récupère son maillot bleu. C'est l'enseignement du jour. C'est que Matteo retrouve un petit maillot distinctif. Ah ouais, Ayuso, les côtes, jusque juin. Il m'a failli marquer le but de l'année. C'est vrai? Ah mais ça a déjà commencé. Russo pique de forme. Ça c'est pas beau. Engagement, frappe du milieu de terrain, barre. Mais non. Mais pourquoi tu tentes ça? 260 bornes.
En fait, cette étape, elle va être terrifiante aussi. On l'a pas compté dedans, mais. Oh! C'est quasiment l'étape qui a le plus de D+ avec la dernière, là. Ah ouais, non, 260 bornes, moyenne montagne. Va falloir être placé. Covid étant plus 3. Allez, journée importante, parce qu'avec une journée aussi longue, ça peut faire des dégâts. Mathéo, tu vas crever, mais c'est pas grave, t'as 19 ans, t'es jeune, hein, t'as l'avenir devant toi. Enfin, plus pour longtemps, mais vas-y. Encore devant, Mathéo. 260 bandes d'échappée, ça part. Il est sorti du peloton comme une balle. Bah écoutez, les jeunes, ils ont de la réserve, les jeunes. Non mais, je suis tout seul devant, tu te fous de ma gueule, toi? Ah ouais, c'est... Laissez-moi être heureux, là. 67 en récup, en plus. Ah, écoutez, il se fait de l'XP, il se fait... C'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience dans la vie. Hein. Sans se faisant mal. Plus d'une minute d'écart. Bien sûr. L'échappée gagne du terrain. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. De la route, mais non, regarde, l'échappée est partie, c'est bon, on part à 13. L'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde, le peloton a largement augmenté son rythme. En vrai, c'est pas si dur, hein, mais bon, avec la longueur de l'étape, ça va forcément faire péter. Hein. Et ça fait 40 bornes, on est parti, il en reste 220. Il y a un petit bug dans le GPS, les chefs. Oh, le regard, vous êtes trompés. Je vous jure que je prends pas de relais, rien à foutre. C'est bon, moi. Faut pas se foutre de notre gueule. Et là, il y a personne qui fait grève. Oh, non, c'est ce jour-là, c'est là qu'il faut faire grève, les coureurs, là. C'est là qu'il faut dire à leur gars, hop, 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 moins 100 bornes. Par contre, aucune idée. Bah, 2010, putain, c'est dégénéré, hein. À l'époque, c'était n'importe. Puisque, bon, ça sert à rien, même pour le spectacle ou quoi, ça rajoute que dalle, ce genre d'étape, hein. À part juste cramer les coureurs et empêcher les attaques, ça fait rien du tout. Non mais ils me voient pas, ils sont trop. En même temps, regardez, Bora, ils sont deux, hein. Non, non, Bora... Par contre, apprécions 2 secondes le flow du petit Matteo, 19 ans. Regardez comment il est beau. Non, non, là, c'est... Je pense que vous aviez pas encore vu ce vélo bleu. Hop, la Pierre Botaf, hein, Botaf, Botaf, hein, Ricard Botaf sur le maillot aussi, sur l'équipementier, Coy beau casque. Non, non, belle chaussure aussi, hein, magnifique. L'IRL. Oh, bah, à l'époque, peut-être, en même temps, les mecs étaient aussi dégénérés que les orgas, mais... Là, je peux t'assurer qu'une étape comme ça, 260 bornes, les coureurs, ils font... C'est défilé, hein. C'est grève, hein. Rien à foutre, hein. J'en suis persuadé, hein. Surtout que bon, c'est pas comme si les autres étapes étaient normales. Les autres étapes, c'est 220 aussi tous les jours, quoi.
stade des coureurs. Le site où il y a les résultats et tout, c'est PCS, Pro Cycling Stats. Je sais pas si tu parlais de ça. Ouais, c'est parti. On entame la deuxième moitié de la course. Il y a 54 points à prendre. Les coureurs vont maintenant être de plus en plus vigilants. Le nombre de points qu'on a déjà. On peut potentiellement doubler notre nombre de points aujourd'hui. Allez Mathéo, accroche-toi mon petit. On est tous fiers de toi Mathéo. Ah, y a du beau monde, hein. Y a du Bourman et tout, mais on va s'accrocher. Hein. 82 chrono Van Dijk. What the fuck. Oh, ça a bien up. Hein. Waouh, en plus ça part en couille. Ok, ok, ok. Ok, journée compliquée. UAE a décidé de sortir les griffes. Van Uden, ça a sauté en même temps. Qu'est-ce que tu fous là, gars? Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. Dès qu'il passe pas le sommet, là. Vu de la montée en rythme du peloton. Attaque d'Emmanuel Bourman. C'est dur, on passe 4, on passe 4. 54, 4 points de prix. Bon, on garde un point sur Zana qui est passé devant nous. On s'accroche au mental. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Fier de toi, Mathéo. Et eux qui continuent. En même temps, c'est déjà Adam Yates qui fait le tempo alors qu'il est 120 bornes. On a envie de crever. Ça, Luca. Ça va être long cette affaire. En chute féminine, aucune idée. Clément, ça va être ciao. Ça rentre pas là. Hein. Van Dijk, ciao, hein. Oh, Mathéo, ça va être dur. Oh, Mathéo, ça va être dur, mon salaud. On peut s'accrocher. En même temps, ça fait déjà 160 bandes qui sont devant. C'est une étape complète. Et il leur reste 5 bornes à faire. Allez Mathéo, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tu t'accroches au mental. C'est que dans la tête, hein. Ça fait pas mal aux jambes. T'as pas mal, t'as pas mal, t'es un champion. Et Mathéo. Ah, c'est dur. Et il fait de son mieux le petit Mathéo. Il a repris 2 points. Mais Zana qui repasse devant pour 1 point. Pff, moins 2 Conti et Lissonde. Mathéo toujours devant. Et dans le peloton, ça va être moins 50 bientôt là. Oh bordel. Ah oh, nous là. Il a une envie de crever. Là. Classique en plein GT. Ouais, un petit Liège là en plein GT là, ça régale. Hein. Un petit monument. Une attaque dans le groupe d'échappée. Ah merde. Un pipeau fort aussi. Hein. Ouais. T'aimes bien les barres vertes. Oh.
Mais la dernière semaine, elle va être désastreuse. Elle va être abominable. Regardez, t'as des mecs à la au 11e jour. Regardez le démarrage de Zana. Ah ouais, hey, ton arrivée Mathéo, elle est au sommet. Hein. Au sommet du Capo di Valle, Mathéo. C'est bon ou pas? C'est ton moment. C'est ton moment, mon garçon. 7 km 800 d'ascension. Le sommet un peu plus facile. Attaque d'Emmanuel Bourman. Putain, j'ai envie de faire péter dans le peloton carrément. Bon, après, ça le fait déjà pour moi, tu vas me dire. Allez Mathéo, cette borne. C'est quoi 7 km dans une vie? Tu viens d'en faire 215 déjà dans l'échappée. Cette borne de plus. Eh, on va faire péter, c'est bon, j'en ai marre. Je suis fatigué. Fais tout péter. La journée a pas été assez dure. Attention, une attaque dans le groupe de tête. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Mathéo qui fait péter Bourman. Attention, une attaque dans le groupe de tête. La sélection s'opère par l'arrière. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. Ah mais là c'est... Flop pareil. Mais frère, tu parles d'un flop alors que c'est un gosse de 19 piges après 230 km d'échappée. Comment ça? Ça me fait... C'est énorme qu'il soit là déjà. L'échappée du jour ne convient de pas quelle tapine tu me parles, frère? Le peloton a largement augmenté son rythme. Hey, y en a, vous avez fait le cerveau fumé. Hein. Vous pensez on a pogué entre les mains, mais tout le temps, genre. C'est vrai, elle est vraie l'étape, hein. C'est un vrai parcours. C'est le parcours 2010. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappée. Et OMH. Oh. Continue de rouler. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment on est encore autant là. Eh, hey, Mathéo, chill, vas-y, tu mérites. Tu mérites, mon garçon. Et voici l'attaque de Filippo Baroncini. Yo Audrey.
Zimmermann, Chicone. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Ah oui, il y a un petit coup, hein. On va attendre Zimmermann et Chicone et... Il y a un petit coup à 3 à faire, là. Il reste maintenant 15 km de course. Tout le monde est mort. Tout le monde a envie de crever. C'est... Petit plaisir, là. De l'arrivée. Il plus ça se met sacoche sur sacoche. Oh, c'est... Peter, il est cramé, hein. Pardon. Qu'est-ce que ça serait mérité pour Pipo? Il y a une 10. Geraint Thomas, Grégoire O'Connor, Uyte Brooks. Giulio Ciccone qui place maintenant son démarrage. Il reste moins de 5 km à parcourir. Au dernier pointage, l'échappée est maintenant à plus d'une minute. Le rythme à poser semble trop élevé pour beaucoup. Ah, Pipo, ah, Chicone est trop fort. L'arrivée, c'est un mur en plus. Ah, je sais même pas, je crois qu'il va se faire baiser par le peloton. Et ça me terrifie. Ça, c'est atroce. Non, il mérite pas ça, Pipo. Victoire de Chicone. Oh putain, je suis trop triste pour ce mec. Oh, je suis dégoûté. Oh, ça a failli passer. De Giulio Ciccone qui s'impose en solitaire. Ciccone qui gagne, hein. Après une belle attaque, un beau coup à 3. On n'a pas tenu. Non, mais elle, ça, c'est plus marqué qu'elle va se faire l'étape là. C'est. Là, il y a tout le monde qui a envie de crever, de rentrer chez soi, là. Ah, Pipo ! Salut, Matisse. Oh, Julien, qui a implosé. Julien, il a pris 11 minutes. Il était dans le top 10. J'ai pas fait gaffe, c'était combien les délais là? C'était 6h30 j'espère. Parce que là, putain, Enric Mas, il a 7 minutes, il est 10ème. Une heure 22. Ouais.